Comme annoncé ci-dessus, le second volet de notre communication porte sur la conclusion de la réunion que votre bureau a tenue hier avec le président du groupe parlementaire. Honorables députés, chers collègues, en vue de faciliter les concertations autour de la répartition des responsabilités au sein des bureaux de commission parlementaire, en tenant compte de la nouvelle configuration politique de notre Chambre, votre bureau a longuement échangé hier avec le président du groupe parlementaire. Comme vous le savez déjà, dès le début de cette législature, la répartition des responsabilités au sein des bureaux de commission permanente reposait sur un certain nombre de principes, notamment la prise en compte du poids politique, de la géopolitique, du genre et du principe de solidarité, ainsi que le consensus comme mode de prise de décision en cette matière. Après concertation fructueuse au sein de la majorité et de l'opposition parlementaire, il a été convenu, dans un climat cordial et d'entente mutuelle, de confier à l'opposition la présidence du comité des sages et des trois commissions permanentes ci-après. Commission aménagement des territoires, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Commission suivi et évaluation de l'exécution de loi, des résolutions et des recommandations, des résolutions, des recommandations et des politiques publiques. Trois, commission des droits de l'homme. À la faveur de ce consensus, votre bureau va présenter à la prochaine réunion un tableau de répartition des postes au sein de bureau de commission. Le bureau saisit cette opportunité pour féliciter le président du groupe parlementaire pour avoir fait preuve de sens élevé de responsabilité tout au long de leur concertation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Oui, collègue. Oui, collègue. La communication n'a même pas de débat. C'est quoi? C'est quoi votre intervention? Merci beaucoup, Président. Votre intervention, oui. C'est pour vous demander qu'il y ait un petit débat en ce qui concerne votre première communication, parce qu'il y a enrichi. Non, la communication n'appelle pas de débat. Chers collègues, la communication n'appelle pas de débat. Merci. Motion 2.
Venez, venez. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable membre du bureau, chers collègues députés, merci, honorable président, pour votre communication de tout à l'heure. Je crois que nous qui sommes les députés nationaux, nous sommes élus par toute la population congolaise. Et votre communication devrait être suivie par ceux-là qui nous ont élus et qui ont besoin de cette information importante. Honorable président, de prime abord, nous, députés nationaux, sommes les représentants de la population en qui elle a placé sa confiance. Cette population a besoin de nous suivre. C'est une motion incidentielle. Suivez-moi. Okay, collègue. Et d'avoir... Collègue, s'il vous plaît. C'est l'ancienne, c'est mais l'incidentiel, c'est le... L'incidentiel se rapporte à quoi? La plénière est transmise en direct. Je voudrais vous expliquer. Est-ce que vous pouvez me suivre, honorable président, parce que c'est important. Non, collègue. La RTNC3 n'est pas suivie dans nos territoires. La Radio-Télévision Nationale Congolaise, qui est une entreprise publique, un service public, doit couvrir, honorable président, je sais que dans votre territoire, la RTNC n'est pas suivie. Collègue, à Bonobo, collègue, la RTNC n'est pas suivie. Même pas la RTNC3. Collègue, nous sommes sur la RTNC1. Non, moi, je vous informe. Non, nous sommes sur la RTNC3. Oui. Non, mais je vous donne l'information. La RTNC3 est suivie dans le territoire quand la personne a est sur TNT. Vous comprenez? Mais tandis que la RTNC 1 doit être suivie en live. Comment vous pouvez demander? Collègue, vous êtes dans la salle. Vous êtes avec nous dans la salle. Vous êtes dans la salle. Moi, je reçois des informations de ceux qui sont à l'extérieur. Nous sommes suivis en direct sur la RTNC 1. Mais chez moi, à Lusambo, on ne suit pas ça, honorable. Non, venez. À Bolobo, on ne suit pas ça. Non. Alors, nous allons améliorer les installations. On ne suit pas ça. Mais est-ce que vous pouvez me suivre? C'est pour l'intérêt... Bon, collègue, je vous retire la parole, s'il vous plaît. C'est pour l'intérêt de nous tous. Merci, collègue. Merci. Okay. Merci beaucoup. Merci, collègue. Merci. Motion d'information. Alors, je voudrais vous demander, honorable président, c'est la dernière motion, hein. Merci, président. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, ma motion consiste à informer notre plénière d'un phénomène appelé RAM, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive,
que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias et dans la population. Honorable Président, en tant qu'élu du peuple, nous avons le devoir non seulement de légiférer, mais aussi de contribuer par les mécanismes édictés par notre Constitution au bien-être de cette population qui nous a mandatés pour faire entendre sa voix. Honorable Président, notre population traverse une période très difficile de son histoire, non seulement affectée par la pandémie de COVID-19, par la précarité et la pauvreté, mais aussi par la guerre de l'Est du pays, caractérisée par des tueries et des massacres des paisibles citoyens. Comme cela ne suffit pas, les ministres des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, PTTIC, trouvent son moment favorable de pouvoir instaurer cette taxe qui arnaque notre population. Honorable Président, savez-vous combien notre population peine pour s'acheter non seulement un appareil de communication, mais aussi les unités à y mettre pour pouvoir communiquer avec ceux de l'arrière-pays et vice-versa. Honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, vu les questionnements et pour éviter que cette arnaque rame n'engendre des situations d'incertitude et ainsi contribuer au grogne social, nous avons voulu, honorable président, déposer à votre bureau notre chambre conformément aux dispositions pertinentes de l'article 175 et 100, jusqu'à 178 de notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la question orale avec débat au sujet de cette taxe RAM qui vise à rémunérer l'ARPTC de ses prestations qu'elle rend dans le cadre de la certification des appareils mobiles. Honorable Président, compte tenu de la pertinence, nous souhaitons que cette question, qui du reste requiert célérité, soit traitée avec diligence afin que notre population soit éclairée par rapport à cette problématique qui davantage risque de créer des remous sociaux aux conséquences incalculables. Honorable Président, je tiens à souligner que vraiment, compte tenu de votre magnanimité, je voudrais vraiment que cette question soit prise à cœur. Voilà pourquoi l'objet de ma motion, d'information, et je voudrais que cette question soit débattue à la plénière jeudi. Le ministère de la publicité. Bon, nous poursuivons. Ça n'appelle pas des commentaires. C'était une motion d'information. On s'arrête là. Honorable député, chers collègues. Non, mais à la fin, poursuivons les travaux. Après la communication du bureau, qui en fait n'appelle pas de débat, nous passons au second point de notre ordre du jour. Point ayant trait à l'examen et au vote de la proposition de loi portant création et organisation de l'ordre des géologues. Comme le renseigne notre calendrier des travaux de la présente session, c'est notre collègue Sakata Moketawam Gari qui est l'auteur de cette initiative législative.
À cette étape de la procédure législative, nos délibérations débutent par un débat général après la présentation de l'économie du texte par l'auteur. Je demande donc à notre service de protocole et j'invite les collègues d'abord, Sakata, à prendre place. À la place réservée sur la votre podium. Ok. Entre-temps, avant d'accorder la parole à l'honorable Sakata, auteur de cette initiative, le bureau annonce aux honorables députés la réintégration à l'Assemblée nationale des 17 collègues députés. Après la cessation de leurs fonctions incompatibles avec le mandat des députés nationaux. Je demande donc à l'honorable rapporteur de communiquer les noms des 17 collègues qui intègrent. Venez. Voilà. 17 collègues qui intègrent l'hémicycle. Il va nous communiquer les noms des collègues qui est. Oui. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour la parole. Il s'agit des collègues Agé Matembo Toto Agé, Bielesukawata Jonathan, Bokele Walaka Innocent, Ilungankulu Nene, Kulumba Mwana Songe Justin, Lite Asebia André, Luakalo Sengola Thomas, Lutundula Okito Didier, Mayo Mambeke Jean Baudouin, Mbikai Mabuluki Steve, Nikulu Rombo Guy, Nikulu Pombo Guy, Munembwe Tamukta Mukumwe Elise, Moi Mukena Lusa Diese Eme, Nkusi Kuzi Biakawa de Gracia, Ntumba Pakole John, Nyamugabo Bazibwe Claude, et enfin Chevia Patia Raymond. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, collègues. Si les collègues sont là, qui se mettent debout. Pourquoi? Mettez-vous debout et applaudissez-les. Qu'est-ce qu'ils ont devant? Voilà, saluez-les, collègues. Applaudissez-les. Ils sont rentrés au bercail. Merci, collègues, asseyez-vous.
prenez pas les téléphones. Ne prenez pas les téléphones, mais appelez. Honorable député, chers collègues, vous venez de prendre connaissance des noms de nos 17 collègues qui réintègrent l'hémicycle. Voilà, vous les avez salués, merci de les avoir accueillis. Merci. On nous a dit d'écrire ce qu'on voudrait faire quand on va grandir. Et qu'est-ce que tu voudrais bien devenir quand tu seras grande? Il était un petit poisson qui naquit le 1er avril. Il avait beau dire et redire qu'il était vraiment un poisson. Arrivé tout haut, qu'il était un petit oiseau. Fin. Écrivaine. Écrivaine, maman. Oui, je serai écrivaine. Excellencia Jeune Talent Littérature. Vous êtes passionné de littérature? Vous avez du talent pour l'écriture? La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, en partenariat avec les femmes de lettres congolaises, lance du 1er au 30 avril 2021 un concours national d'écriture pour mettre en valeur votre plume. Pour participer, rendez-vous sur le www.fondationdnt.org, rubrique Excellencia Littérature. Bonne chance à tous et à vos plumes. Voulez-vous un autographe, messieurs? Gabriel? Oui, maman. Va donc te coucher. D'accord. Je vais vous raconter une histoire. Hey! Ok, ouais! Monsieur, vous n'avez pas la signature de sauter? Mais il n'y a pas d'embouteillage. Pas d'embouteillage. Sont des moutons, ils apprennent pas pour sauter. Ils apprennent pas pour voiture. C'est quoi ça? Tu penses à moi quand on dégage? Eh monsieur Okawa! N'a qu'un magasin! Aucun des magasins! Soit de moto bas salé, on prend les mitouka! Pour les moto terre! On était moto pour son zongi, monsieur! Et ça, il peut y a l'état! Les canas c'est. Là, on saute déjà moto! Je connais ce petit mouton, la mouton, tu es sauté loin de la moto! Ah oh! Et puis déjà tout! Ok, et la signalisation sont des moutons, ils apprennent à tuer ma colotte, ils apprennent à poussouter, ils apprennent à bamitouka, bamitouka, n'est pas le cas. Monsieur, les deux alingaï, les alio, les abissonnons. Tout bon, ça va tous du corps. Gabriel, oui, maman. Le dîner servi. D'accord. Alors, comment est-il l'école aujourd'hui? Bien. On nous a dit d'écrire ce qu'on voudrait faire quand on va grandir. Et qu'est-ce que tu voudrais bien devenir quand tu seras grande? Il était un petit poisson qui naquit le 1er avril. Il avait beau dire et redire qu'il était vraiment un poisson. Arrivé tout haut, qu'il était un petit oiseau. Fin. Une histoire à écrire avec des lingots d'or dans les annales des femmes vertueuses. La création du trophée M. Kassalou par la Lisadel. Trophée M. Kassalou. Se reconnaître le mérite de la veuve de l'opposant Étienne Tshisekedi wa Mulumba. Femme d'honneur, femme forte, femme vertueuse, artisan des héros que l'on veut de vive voix. La grande première édition consiste à la remise officielle du trophée aux mains propres de Marthe Kassalou Tshisekedi fin avril 2021 à l'hôtel Béatrice à Gombe. La génération M. Kassalou, une génération sacrée.